évidemment, quand votre plan B s'appelle André Di Maria dans cet état-là, c'est un lien en 32e de finale lorsque Sochaux avait battu, craignait le match au piège. Pour l'instant, ce soir, les Parisiens. En faisant rentrer des joueurs voilà, qu'on ne présente plus, Javier Pastore et Dani Alves. Il va être préservé aussi, lui, en vue des prochaines échéances. Ah, le match est facile. Et Dani Alves. Il va rentrer. Intercepté par maintenant sur Javier Pastore. La passe tendue vers Dani Alves dans la surface. Le centre deuxième poteau vers Pastore. Le contrôle de la poitrine. Pastore et l'arrêt du pied. Dati. Sochalien. Et le Paris Saint-Germain qui déroule maintenant face à cette équipe sochalienne. Il ne reviendra plus. L'ancien joueur de l'OM. Récupération Dani Alves. Petite faute du Brésilien. Il a purgé ces trois matchs de suspension. Pastore. La faute de Dani Alves. Excellent engagement là du, de la part du Brésilien. Et le changement du côté du Paris Saint-Germain, l'entrée de Mota et la sortie de Lassana Diarra. Du poste pour poste. Pour les 20 dernières minutes de jeu, le retour de Thiago Motta. Pastore avec Dani Alves. Encore Pastore. Il va repasser. Et Dani Alves qui va au pressing sur Bergui. Il est encore pour jouer avec nous et tenter de gagner le chèque de 10 000 euros mis en jeu cette saison. Quel joueur parisien envers le score après 3003. Pastore. Va retrouver Dani Alves, le centre vers Di Maria qui avait armé sa reprise. Michael. Il aura fait un bon match, hein, le latéral droit sochalien. Et troisième année seulement chez les pros. Hein. De montée. Bergnitch. C'est pas compliqué, ça sera compliqué directement dans les pieds de Javier Pastore. Draxler. Mbappé avec Dani Alves. Dani Alves, Mbappé pas de hors-jeu, le centre. Dani Alves, Mota avec Pastore, Dani Alves, encore Pastore maintenant, Pastore dans la surface, il est passé. Oh la parade. Il aura vraiment fait 4-5 arrêts de grande qualité. Et Paris donc qui va enchaîner une 21e victoire consécutive. Et Dani Alves qui va enfiler le maillot de gardien. Image insolite ce soir à Bonal. Dani Alves qui enfile les gants. Ouais, on disait il y a 5 minutes, pour l'instant tous les voyants étaient au vert côté parisien. Ce sera le petit bémol de la soirée. Ce carton rouge qui n'est pas scandaleux au vu du... à la lecture brute du règlement. Là où c'est un problème moindre au jeu. L'action. Et Dani Alves qui va se positionner dans la cage pour ce dernier coup franc. Est-ce qu'il aura l'occasion de sortir une petite parade le Brésilien? Car juste après ça sera terminé. De ce 8e de finale de la Coupe de France entre Sochaux et le Paris Saint-Germain. Florian Tardieu pour le coup franc. C'est repoussé par le mur parisien. Alors, on n'a même pas eu la joie de faire un arrêt. Dani Alves. Histoire facile des joueurs d'Unai Emery. 4 buts à 1 avec un triplé notamment d'André El Di Maria qui a encore marqué des points ce soir.